Les Choi-chun? Non, c'est Jotun, tout simplement. Non, c'est les Joy-chun. Ah, je connais pas l'histoire. Tu tues des mobs? Ah oui, si, si. Vas-y, en gros, l'histoire, faut tuer des mobs. Comme d'habitude. Oh, Ryu en grand plan. Pourquoi ta tête d'élémentaliste, elle est triste, la meuf? De quoi? La tête de ton élémentaliste, elle est triste. Parce que j'ai fait exprès. Parce qu'elle sait que c'est elle est jouée par Az, c'est pour ça. Eh, j'ai pris un truc, vous allez être deg. J'ai pris ça, quoi. Waouh. Orbe de Pourquoi t'as pris une orbe de résurrection? Bah, moi je peux résurrection. Moi, j'en ai 10 dans mon coffre. Moi j'en ai plus. Ouais, t'es l'heure de résurrection. Bah, j'utilise en fractal quand tout le monde est mort. Enfin, quand il reste dans un boss. Bah, ça. Moi, je les garde en. Quelle extrême un peu bidon, urgence. Ouais, oh, pff, ça sert à rien, hein, perso. Je sais pas. Chaque fois, je me dis, je vais pas l'utiliser tout de suite parce que je pourrais peut-être avoir une meilleure utilisation plus tard. Mais il y a jamais de plus tard, donc en fait, ça s'accumule et. Ça va, Rio. Mais moi, ça pourrit dans la banque. Mais vous avez déjà utilisé une arme de résurrection? Du coup, j'ai plein de trucs comme ça, tous les bonus qu'on a dans les coffres du lion noir, je les ai tous. Ouais, aussi, je les ai tous. En x20. Je m'en sers pas, je me dis que ça peut servir un jour, mais. Non, mais voilà. Genre, comme dans les box Halloween, là, on s'en met deux, plus une tonique, plus je sais plus quoi, et t'as un coffre. En fait, ils vont refaire ça, je sais pas. Mais vous avez déjà utilisé une lampe de résurrection? Non, jamais. Ah, je sais plus ou moins comment ça fonctionne, mais. En gros, si t'es morte, tu claques et ça va invoquer 2-3 fantômes qui vont te raise. Ah oui, il y a une animation, c'est pas un truc. Ouais, non, c'est pas direct. Et pendant 10 secondes après, tu fais one shoot. Ouais, pendant 10 secondes, je crois que t'es sur. T'es sous vulnérabilité, il me semble. Sur le seuil de la mort. Tu te fais one shoot après. J'ai essayé, tu fais one shoot. Ouais, c'est pour éviter les abus, quoi. Tu fais ça quand t'es bien safe, quoi. Par contre, ici, il y a des limons, faites attention. Oh, j'aime pas les limones. Les limons. Utilisez pas vos potions contre le mort vivant ici, ça sert à rien. C'est pas du Schweppes, ça. Aïe. Ah oui, le Schweppes, les limones. Schweppes, c'est limones. Les flubbers. C'est les flubbers. Pas de votre génération. Oh, c'est vieux, ça. Pas de la génération, tu viens aussi vieux que toi. Voilà, Az. J'aime bien la fille qui se prend pour une vieille. Non mais moi j'aimerais bien retourner en maternelle. C'est parce qu'elle est chinoise, elle est déjà ridée, quoi. Sérieux, en maternelle, plus tu jouais, plus t'avais des bonnes notes. C'est bizarre, t'as de la peinture avec tes mains. En gros, c'est... Tu voudrais redevenir une asiatique, quoi. L'époque où on respectait ton talent. Comment ça? Bah non, les levels asiennes, c'est le fait d'être plus doué que les autres. C'est le seul endroit où t'étais plus doué que les autres. Si tu veux, on peut faire une partie d'audition, hein, tu verras. Hein. Non, je veux pas de casserole ce soir. Si tu veux, on peut faire une partie de guitare héros. Hein. Lol. Si tu veux, on peut faire une partie de guitare. Non, guitare héros. Non, moi je te parle guitare. Non, moi je te parle guitare héros. En mode le plus hard possible. Bah, prends une guitare en main et on regarde comment. Plus hard possible. Je mets du soin. Un petit saut encore. Enfin, 25 de vulnérabilité. Mais non. J'ai knep. T'avais plus rien, j'ai plein. Si, j'en ai plein. Un petit saut. Hop là. Non, c'est pas vrai, je suis pas à terre. Ouais, ils sont chiants à faire des. Ouais, les limons sont chiants. Parce qu'à un moment ils disparaissent si t'invoques des petits et ceux-là tu peux pas les toucher et tout. C'est un bordel. Slim. Vas-y, on avance. Longer sur le côté droit.
Attention. Il y a une tourelle lance-boule. Les gardiens, si vous, vous pouvez prendre vos murs de renvoi, ça nous arrange. Ouais, bah hein, je vais te le prendre. Ouais, pareil. Je me suis dit, Chris, va le prendre. Je me suis dit, Rong, il va y penser, il supporte. Ouais, genre, j'ai pensé, moi. T'es super bon. Quoi? T'es en découverte magique, là. Je suis pas en découverte magique. Je touche pas à ça, moi. Il est grand, il est un soldat, je crois. Si t'es en découverte magique. Bah, je suis un soldat, n'importe quoi. Augmente les choses, trouver des interfacts, c'est quoi ça? Ah non, 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 ça c'est sur l'espadon, c'est pas pareil. Ouais, bah, non, mais c'est pas pareil. Bah, non, il a juste un découverte magique, il est pas en découverte magique, c'est... je parlais des runes, moi. Non, 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 il est un soldat. Soldat. Ouais, voilà, il est comme moi. Mais je suis sûr. Faut les faire les chasseurs. Faut les faire les chasseurs. Il faut link ton armure, on aura la preuve. Faut aller faire les pabots là, sur le côté. Bon tiens, j'ai tendu mon poison. Super, j'ai flou le canal guild, super. Oh, il non mais sur le canal groupe, sur le... La vacance plein. Ah c'est bon, vous êtes encore dans la guild je pense. Oui, moi j'ai jamais le... Oui, pour combien de temps supérieur. Les cris suppriment une altération. Bah Chris, il y a encore pas un moment, je fais le test. Ça dépend. Je vais mettre Luc en MG, ouais, tu vois. Parce qu'il y a une ruine de soldats supérieurs. Les cris, c'est genre repliez-vous ou ouais. Machin comme ça. Ouais. Ah, mais ça, on l'a déjà fait, ça, mais on n'a jamais réussi. Par contre, les limons, ils. Ah, si, ils balancent un truc, le boss. Prends ton mur de renvoi. Non ! Il y a plein d'araignées ! Allez, pas aller à gauche, Rio ! Ouais, c'est bon, c'est bon. Le mec, il se met invisible. Il faut jamais la gauche, faut jamais la gauche en gros. Bah, personnellement, je préfère avoir des araignées que des limons. T'auras les deux. T'auras les deux, je vois pas l'intérêt d'avoir les deux. L'XP. Waouh, wow. Oh, je viens farm. L'XP, on la prend en raison, c'est quoi là. Quoi, non, mais parce que. Non, mais en crise, je t'assure qu'il faut faire les morts vivants là-bas. Hein. Bon, il faut un mur de renvoi ça. Non, pas, non, ici le prend pas, le prend pas. Si, si, moi je l'ai pris seulement pour le boss, mais. Mais le boss, y'a pas besoin. Si, si, il fait un. Tu les renvoies pas, les ces trucs. Ok, bon, j'essaye à prouver. Il me semble que lui il bump, le boss. Ouais, il fait des sauts trop marrants, vous allez Ok, voir, bah je prends la stabilité, moi. Bah, bah moi je l'ai donc. Et la première stabilité, bon. Les gens. Ah, faut pas la. Ah, pas boum boum boum, je sais pas quoi là. Boum boum, ouais. Derrière, on. Alors là, faut attirer les morts vivants sans prendre le boss, c'est cool. Ouais, il fait boum boum boum. Ah, mais qui c'est qui joue en découverte magique là? Ah, personne. Non, c'est le Bob. Par contre, Rong, pour la stabilité, faudrait éviter de la claquer en même temps. Ouais. Tu la claques en premier et tu me le dis? Ouais, mais je sais pas quand est-ce qu'il prépare son truc donc. C'est simple, tout le temps. Oh. Il fait que des bons. Va, tu vas voir, en fait, il bondit. Il attend genre 3-4 secondes et puis rebondit. Ok. Il sait faire que ça comme attaque. Et du soin, j'ai mis. Là. Oh là là. Tiens, du soin. Hop là. Yes, explosion. Merde. On tente les bugs d'armes. Peut-être ça va les tuer. Tourbillon infini et tout. Non, ça marche pas, tourbillon infini. J'ai fait avec Valse de Dague infini. Tu en renvoies pas tout? Bah, tu fais pas de dégâts surtout. Et le use bug du jeu. Pourquoi je fais des dégâts dans le mur moi? J'ai tapé le mur, j'ai fait 333 de dégâts. T'as un mob qui s'est déguisé en mur. Alors, faut détruire la tour à loin. Vous avez un cristal pour info hein. Non, 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 les cristals n'utilisez pas. Pourquoi? Pour le boss final, on a besoin. Quel boss? Final. Ah, mais c'est pas le boss final ça. Bon, bah oui, mais tu les as comment sinon? Mais parce que le cristal là, il est par terre. Hein. Il respawn pas, oui, mais pour le boss final, il respawn pas les cristals. Hein. Les cristaux. Et genre, ouais, tu te ramènes, tu le prends genre jusqu'à la fin, le cristaux. Les cristaux et tu te balades le cristaux sur toute la map. C'est ça. C'est une blague. Mais il y a des TP, les gens, mais réfléchissez, il y a des TP, les gens. Je sais pas pourquoi vous êtes con, quand il y a des TP. Ah ouais. Okay. Oh, je sais pas avec les cristaux bah en oui. Main. Bah oui. Mais faut le mettre MG, Chris. Non, mais là, Rio, t'es pas obligé de les faire, ceux-là, tu vas bouffer.
préviens. Parce que là on va faire le boss et on va pas le faire sur les trucs, vous allez voir. Il va venir ici. Bah lance sa habilité en premier, ça je verrai bien. Regarde, voilà, il a fait ça. Bah regarde. Ah ouais, quand même. Voilà. Ah, habilité. C'est un vrai flipper. Bang, bang. Je l'ai claqué ma stab. Putain quoi, le mec. Par contre, fais gaffe, derrière ça pop, je crois. Ouais. En plus, elle est tout avec les chutes. Putain. Et donc là, en gros, Rong, à un moment, il va... Je sais plus si c'est en le tuant ou à un moment, il va lâcher un truc et il faudra le ramener au PNJ. Qui est là contre le mur. Il y a pas besoin de tuer, en fait, celui-là, faut pas le tuer parce qu'il... Après, il se met en or, après, il se met en argent, et après, il se met en vétéran, et après, il se met en normal. Ah, je l'ai interrompu. De quoi, celui-là? Ouais. En fait, là, une fois que tu le tueras, ou mid-life, je sais plus, il va se mettre en champion. Et puis après, il va se mettre en vétéran, en argent. Après, il va se mettre en vétéran, en truc, et c'est super chiant à faire. Donc, en fait, une fois qu'il a shooté, on se barre. Côté de moi. Ah oui, donc en fait, il y a juste à choper un objet et puis ramener au PNJ. Ouais, en gros, à un moment, il va lâcher un objet, tu ramènes au PNJ, t'as tué le boss. Tout con. Non, ça tue pas, il reste en vie, mais on le fait. Ouais, enfin, voilà, après, tu peux l'esquive, quoi, c'est tout. Je veux dire, t'as fini la zone. Enfin, voilà. Et sa deuxième phase elle est chiante hein. Ouais bah il me semble qu'il balance plein de trucs dans la oui deuxième phase. Mais tu peux pas les renvoyer. Putain mais c'est nul. Ah oui il fait de la gerbe. Il est parti donc là en fait là faut bourriner au corps à corps. Ouais parce bon, qu'il faut pas... Là en fait faut être distant, phase 2 faut être corps à corps. Puis phase 3 bah y'en a pas. Après on le tue pas. Phase 3 on récupère notre bleu quoi. Pourquoi il fait des bébés? Il est chiant. Je te raison. Bang, bang, bang. Je l'ai interrompu. Allez, pas trop là-bas parce que ça va amener les. Voilà. Ryo, je crois que t'es mort. Entre la tour et les araignées. Désolé. Retourne le fight, je suis mort de chez mort. Ah, j'ai mis TP. C'est bon, je suis presque à la moitié. Elle est plus support donc elle fait moins de dégâts que toi. Boum, mes dégâts de feu. Aïe. Tiens, t'as eu boum comme il t'a éjecté aussi. J'ai mis stabilité. En plus, je mets un fantasme mais je mets une guérison. Ouais, tu peux exploser tes fantasmes pour guérir. C'est ça, c'est pour ça que je le mets pour guérir, parce qu'ici, les fantasmes sont pas d'une grande utilité. À part guérir. Franchement, la guérison des fantasmes, j'adore. Il est marrant ce bas, j'adore. Il est partout. Bon, il a voulu se vénérer, aller au corps à corps. Bah, en fait, j'étais bloqué sur place, donc j'ai utilisé une compétence de TP. Elle est à 50% la deuxième phase, a priori. Ouais. Ouais. Il faut bien check à terre, voir s'il lâche pas un objet. Hein. T'inquiète, il lâche quoi, il sera en mort. Enfin, un champion quoi. J'ai jamais fait attention, si tu l'es. Enfin, je me rappelle, moi, l'avoir apporté pendant qu'il frappait. Et en fait, j'avais pas vu, j'ai ramassé, oh putain, un objet. Puis je le rapporte au mec. Ouais, bah la première fois, c'est vrai, il avait fait la même chose. Oula. Ah, le mec là, il est mort. Non, c'est pas lui. C'est le mec qu'on a brûlé tout à l'heure, le joueur. C'est le jeton. Un spectre jotin. Oh merde, il y avait un cadavre juste là. Oula, par contre. J'essaye de te raise. J'ai lumière de renvoi. Attends, je te. C'est bon, merci. C'est bon, je te raise. Hop. J'ai mon golem, il a volé quoi. Ah, moi aussi j'ai tenté d'invoquer mon golem, mais ça. Ouais. Vas-y, espèce de pavot. Tiens. Putain quoi. Hop, je le cache sur place. C'est marrant quand il saute sur place. Non. Putain, j'avais pas vu qu'il fonçait sur moi. Bonjour. Ah bah là, non, bah voilà, mais en fait sa phase elle est plus tard. Voilà.
T'es sûr qu'il change? Ouais, à 100%. Oui, il va devenir un champion après. Enfin, deux champions. Un champion. Non, deux. Tu verras un champion. Ah bon? Je me souviens qu'il y en avait deux. Bah, ben, je me rappelle qu'il y en avait quatre, après, parce qu'il y en avait un deuxième, mais. Allez, confusion, et bouf! Et ça reste dans mon pavillon. Stabilité. Stabilité et. Non mec, je sais pas ce qu'on lui a fait. Mais j'ai jamais compris. En fait, on a un bâton, mais nos sorts, ils sortent même pas du bâton. Non, il sort de la main. C'est con. Bah en fait, je pense que le bâton, il sert à canaliser le pouvoir. D'accord. Bah en gardien, ouais, ça part du bâton, mais c'est vrai que les autres classes... Bah regarde, là, j'ai maman. Là. Bah si, en gardien, il sort du bâton les pouvoirs. Oui, en gardien, mais ouais. Mes autres classes, c'est à la main. Voilà, voilà, voilà. Là, par exemple, moi, mon LM, c'est la main. Ah ouais, des champions, c'est... des champions. Voilà, et là, c'est un bordel pas possible. Ouais, je me casse. Aller au corps à corps. Non, mais là, on c'est bon, là, on se casse. Ah bon ouais. On le fait pas? Non, non, ça va, on perd du temps. Voilà pourquoi il est long, parce qu'on... Ah, faut courir. Et voilà pourquoi Chris, fallait faire les morts vivants tout à l'heure. Oh, j'ai un TD sans ville. Parce que là, le truc, c'est qu'il va pas reset. Le truc, c'est qu'il va pas reset. Il reset loin. Et le truc, c'est que pour le passer sans l'aggro. Vas-y, on le tue lui. Si t'as pas arrêté de quoi, ça s'arrête. non, ça suit en fait. Ouais, mais je t'ai dit, ils vont reset loin. Ouais, on se barre. Reculez encore. Puis je suis rire. Ils vont rester là. C'est un bordel, non? T'as les limons, ils font tourner les serviettes, quoi. Ah, faut attendre que BNJ meurt. Je fais tourner les serviettes. Chris, regarde là-bas. Donc, tu sais, les limons, ils vont rester là. Attends, merde. Les limons vont rester là. Et d'habitude, on passe par là pour pas les aggro. Et le truc, c'est que là, il est mort vivant maintenant. Je sais pas si on peut passer par la droite. On va voir. Il me semble que plus tard il y aura un TP, je crois, ici. Bah, si on les tue, oui, mais on va pas les tuer donc il y en aura pas. Si, logiquement il y a un TP en avançant plus tard dans la. Ah, oui, plus tard, oui. Mais le temps qu'on. Si on meurt là, le temps que. J'ai peur. Par contre, du coup, ils sont où? Parce que moi, ils restaient là en fait. Faut aller à gauche? À gauche, non, mais là, attends. Là-bas, faut pas aller à gauche, y'a pas d'araignée. Mais bah, les araignées, maintenant qu'ils sont pop, on les tue, c'est des petites araignées quoi. Attends, s'ils sont à droite. Non, y'a rien. Ils sont les limons. En face, ils sont à droite. Ok, on va à droite. Ok, on longe à droite. du coup, attends, je vais prendre mon mur de renvoi à la place de celle. Là, faut le prendre par contre. Donc, ouais, donc en fait, à la fin, on va se TP pour ramasser. Non. Tu le laisses. En gros, à la fin, quand on sera arrivé au boss, on devra se TP ici, chacun prendre un cristal. Enfin, se TP chacun dans un coin de. Putain, j'ai. Il y en a une à gauche encore. Essayez de vous approcher des mages à droite. Ok. Ah, parce qu'ils viennent sur nous. Ouais. Et en plus, ils font vachement mal. Hein. Va falloir focus l'envoûteur parce que l'envoûteur. Le truc, c'est que les mages ils font pas des fontaines et les zonis ils voient tout pratiquement. Donc, faut faire un choix. Bon, bah, du coup. Voilà. Immunité, je peux pas les grappes. Taïo. Putain, il tombe vite. Tout à l'heure, la dernière fois, il tombait beaucoup moins vite. Parce qu'on est bon. Non, mais si on avait un. Moi aussi, je tombe vite. Putain, ils sont chiants avec leur zone de merde. Là, faut tuer le mage. Oh là là.
tuer le machin. Je suis à terre. Non. Putain, il m'a posé une zone dessus. Ah. Chris. Vous finissez. Je me TP. On est fini, on est fini. Finissez-le, laissez tomber. Vous pouvez commencer à boire vos potions. Ah oui, c'est vrai, pas pensé. Toi, ça va être dur. De quoi? De penser. Soin sur toi, Rio. Non, de penser, non, ça, j'apprends à penser. Ça donne des résultats impressionnants. Il y a l'élème là qui va mourir. Non, pas celui-là. Non, je suis pas un élème. Mais faut pas oublier de ping au moins, on attaque tous le même. Je ping là. Non, c'est moi qui a ping. Celui-là ? Tu ping les mauvaises personnes. Non, c'est moi qui a ping, j'ai ping wrong, puis après j'ai ping le chasseur. Mais c'est au corps à corps de faire ça, c'est pas à distance. Hein. Distance, ils attendent les arbres. Tu sais où qui est au corps à corps ? Moi je suis aux deux, moi je suis hybride. C'est eux qui prenaient les dégâts, c'est pas nous. Je suis hybride, je suis autant corps à corps que distance. Oh, qu'il est beau. Mais en fait, il y a un endroit où il y aura un pop infini par contre de trucs. Donc je reviendrai ici juste pour prendre le cristaux, mais sinon on pourra prendre le pop. Faudra juste le prendre un peu. Là c'est chiant, évitez d'aggro les limons à gauche juste, s'il y en a... Ça pop. Ouais. Focus. Je sens que c'est viral. Là j'ai gaffe. Voilà, il y a plein de limons partout, c'est marrant. J'enlève les altérations. Et on fait tourner les serviettes. Voilà. Et y'a un limon. Ah putain, le PNJ quoi. Non, ceux sont buggés, c'est les petits, non. Par contre, le PNJ nous a aggro un limon. Y'a le limon inférieur. Faut pas. J'enlève les altérations. Reste dans le. Je te reste Chris du coup. On va faire la chaîne comme ça. Ah, rong, attention rong. Ah, tu me connais pas. Ah, plus que d'une croix tu... Je vous mets des fantômes, vous allez guérir. Tu sors dans par seconde. Tu sors dans par seconde, tu m'imagines. Pendant combien de secondes? Tant que le fantôme est en vie. D'accord. Non, une seconde quoi. Non, en gros. Il est encore vie. En plus, il a exercé ça quoi. Non, mais c'est vachement pratique parce que du coup, si je suis à distance et que mes forces sont pas focus, il y a une guérison de permanence quoi. D'accord, l'espark. Pledrek, je crois, il crache. Du poison. Non. Oh, y'a les drags qui sont en train de péter. Drake. Tu dis tout à l'envers toi, quand il faut le dire en français tu dis en je sais pas quelle langue et quand c'est en je sais pas quelle langue tu dis en français. En français. De quoi? Dire Drake c'est Drake. Mais j'ai dit Drake. Non, t'as dit Drake. Ah, ça fait Drago. Malfoy. Drago Malfoy. Ouais. C'est Malfoy dans les versions canadiennes. Oh, c'est Malfoy. Canadienne. La même version québécoise. Tu parlais de Pokémon, moi. Drago. Non, je parlais de Harry Potter. Hein. On peut. On court. Non, on va se faire. Oh, après, y'a plein de mobs.
C'est dans celui-là qu'on doit tuer plein de géants en restant dans la lumière. Ouais. Alors le prochain vous allez rigoler, il est énorme. J'adore. On meurt mais c'est marrant. C'est pas dans la lumière, faut être dans la lumière, un truc comme ça. Si en fait plus on est dans la lumière, plus on prend cher, donc en fait plus on prend de dégâts par seconde, mais plus on fait mal. Mais on fait mal mais à des points, mais genre si vous êtes full dégâts, vous faites du 60 000, c'est énorme. Non, en dégâts par altération, c'est énorme parce que tu fais du 30 000 et dégâts par altération, ça part à 1000 et tout par seconde, c'est marrant. Du coup, là, il y a des pop, mais je sais pas où ils sont les pop. Tu peux en grab combien au maximum, Vrong, avec l'espadon? Ouh là, y'a plein de mobs ici. Hein. 5 et ça dépend parce que le truc c'est que c'est un projectile et du coup je peux très bien lancer le grab sur sur le même 5 fois. D'accord. Truc super utile. Ah. Bah moi je suis sûr là. Wouah. J'ai réussi à vous raise in extremis. Y'a de CP derrière. Non mais je sais pas, c'est Tchernobyl là. Tchernobyl. Tellement de gaz. Oh, Tchernobyl, pas Tchernobyl. Ouais, mais Tchernobyl, il y avait pas du gaz, hein, c'était. Oui, c'était invisible. C'était toujours pas du gaz. Hein. Oui, ah, du gaz, c'était des radioactifs, mais bon, voilà. Oh, un coffre du lion noir. Oh, trop bien. Ah, tu peux le vendre à 2 PC à l'HV avec la taxe, tu te feras un PC. Ah, ça va, si c'est un allié noir, c'est bien. Hein. Ah, c'est toujours ça de prix. Hein. Ouais, enfin, pour ça, je préfère le vendre en marchand, je suis plus gagnant, je pense. Mais les gens. Non, rien. Attends, je réfléchis, mais je sais plus. Gay, ça veut plus quoi dire quoi. Putain, il m'a coupé et tout. Ah là là. On peut pas avoir des coffres du monde noir déverrouillés directement? Ce serait beau. Non. Par contre, si vous voulez un truc, si vous ouvrez 25 millions de coffres du lion noir, enfin, si vous avez 25 millions de coffres du lion noir, vous pouvez vous payer éternité. Enfin, je dis ça si vous avez de la place. Hein. Vous payez l'éternité? Bah et tu prends tes coffres du lion noir à 2 PC et boum ça y est, tu peux te payer éternité. Donc... éternité. C'est un espadon légendaire, c'est trop loin. Ok, c'est le... deux... okay, c'est crépuscule okay. Et aurore mélangé. Ok. Donc là, Rong, je t'explique, tu vois les zones de lumière? Ok, à tous les entités. Ouais. Ouais, ouais, dedans, en restant dedans, tu fais beaucoup plus mal avec ton arme. Mais tu vas en prendre cher. Ouais, tu vas taper des stacks et tu vas perdre 100 points de vie, il me semble, chaque seconde. Ouais. Et plus t'es dedans, plus tu tapes des stacks et plus. Les stacks ils vont s'empiler et tu vas prendre beaucoup plus cher par seconde quoi. Du coup, prends bien du plaisir, mais dès que tu commences à être à peu près midlife ou un quart, tu sors. Ouais. Et on sort de quel côté, par là où on vient? Bah non, par l'ombre. Mais juste dans l'ombre, c'est tout. Ouais, mais si on a les mobs sur la tête. Ah non, par là où on est, parce que ça va aggro les autres. Et là, tu fais les aggro 3x3. Et pour information, je crois que les puissances de soins sont augmentées. Donc, tu fais plus de heal, je crois. Ok. Voilà, je suis pas sûr, mais je crois, vu que la puissance est augmentée. Bah, on va tester. Hein. Il me semble, si je dis pas de conneries, que le tome de fureur fait extrêmement mal. Dans les Ah bah oui, c'est vrai, puisque je vais prendre ça alors. Ouais, c'est ce que je pense. j'ai lâché. Enfin, mon golem aussi, il fait mal, mais. Il prend cher. Ouais, voilà. Que moi là je le lance, puis on peut 1000 quoi. Qui tente l'aggro? Bah moi, oui. Okay, mais ça vous tanker, hein, je vous rappelle. Aller dans la lumière de toute façon. Vas-y, Géronimo, je les ai. Ouh là, tu les as tous pris là. Allez, on fait énormément. J'adore avoir énormément de dégâts. Mon dégâts par altération pour l'instant c'est 1760. Je commence à arriver à 1000. Faut pas être à grandeur. Eh, je bug.
chez les turbines à l'infini. C'est pas le monde de game. Bah personnellement le soin ça change pas trop. Honnêtement là j'ai 6 stacks. Donne toujours à 200. Ouais, ah non, des fois je le soigne à 500. Hein. Je sais pas, ça sort d'où le 500. Le 500 ça doit être quoi? Mes symboles ils soignent. Attention, je vais lâcher un aggro. Voilà. Oh, ça passe. Je vais me TP par ça a passé. Ça a passé, mais j'étais à terre. Mais pourquoi je me suis TP là? Pas d'autre TP. Oh, mais oui, je t'ai dit qu'il y avait pas d'autre TP. Non, mais oh, dis-toi que Aurel en guerrier tankait beaucoup plus que toi. Bah, en même temps, on a pas la même vie. Ouais, mais bon. Là, on a pas de temps, c'est parti. Ouais, des mains. Faut les aggro milieu et faut les battre milieu, sinon on peut rien faire. Parce qu'ils bougent de partout. Oh, faut que je gêne un peu. Revenez dans la lumière là. Bah, c'est pas toi qui a l'aggro, ça se vend. Pas moi, je sais. Ouais, parce que j'avais tous les mobs sur la gueule et j'avais mal. Pareil, en plus avec les gueules de la lumière, laisse tomber quoi. Oh putain. Je soigne. Hop là. Par contre, les dégâts par altération que je fais, c'est marrant. Et je suis à 2000 de dégâts par altération. Je sais que je suis le seul mort quoi. Quelqu'un veut mourir? Faut pas que je sois tout seul. Ah, non, Rong, laisse tomber. Mourir. Je meurs jamais moi. C'était blague. J'ai plus trop de PV. En tout cas, je suis assez content. Il pense à plein de techniques différentes. C'est rigolo. Ça change des boss. Ouais, du 5 PV. Ouais. 5 PV, ouais. Par contre, je vais peut-être passer en tome de courage pour. Donc, à faire. Merci. Il reste combien de mobs? 3. 3. Enfin, 3 dans la groue, après il en restera encore le même nombre. Encore 2. Par contre, pour mourir dans la lumière, c'est pas cool. Parle pour toi, moi je me TP en dehors de la lumière. Ouais, parle pour toi. Bon, je garde mon temps de fur. Hein. Je vais reclaquer. Un petit peu de boue. Bon, par contre, j'aggro pas, hein, c'est bon. Je suis mort, je me suis fait péter. Oui, moi j'aggro, je suis un mec aggro. Faut se tirer dans la lumière, Rio. C'est quoi, je vais me charger derrière, puis je vais claquer mon ailier. Ah, pas bête. Ah, ouais, c'est l'hérité, tu meurs plus vite aussi. Attention. Flashbang. Bon, il perd. Boah, 21 000 avec la compétence. Tu joues 3 000 en dégâts par altération là, c'est là. Moi je suis monté à 8 000 là. Avec mon ton. Mais bon, j'ai un peu lâché. Putain, ils sont retournés sur moi là. Voilà. Cette viol quoi. Oh, c'est bizarre. Et cette viol tombe de fureur, quand vous allez voir la vidéo, vous allez rigoler. Parce que t'en as pensé. J'ai vu des dégâts, c'était rigolo. Ouais, moi aussi, c'était marrant. Que du bleu. Pareil. Encore un tas d'essence ville, dis donc. Et pas à droite les gens. Suivez-moi. Ouais, on va où là? Suivez-moi. Faut manger là. Faut pas. Non! Putain, j'ai cru tomber. Par là-bas. En fait, parce que sinon, il y a des mobs et tout, c'est super chaud. Ouais, bah c'est que des araignées, c'est bon. Non, là, il y a des drakes. Non, c'est des araignées. Bah, regarde sur les côtés. Attends, il y a le détonateur. Je vais appuyer sur le détonateur. Non, c'est moi. Je vais y aller. Alors là, on va run les gens. Vas-y, voilà. Je l'ai jamais fait. Bah, ça pète. Non, mais c'est que des araignées là.
Enfin, ouais, t'as 3 Drake, quoi, super. Attends, y'a du Drake, tu sais. Ah, y'a des limons, ça. Allumez la torche. On est en direct sur Jean Mouloud là où il y a un boss encore. Jean Mouloud je sais pas. Non, Giganticus. Bientôt ouais. Oui, Jean. Ouais ouais, mais il y a un boss avant ou je me rappelle pas. Parce que le gros limon qui sort de terre, c'est dans chemin 3, il me semble. Là le boss là, c'est dans le chemin 2, on l'a fait la fois dernière. Ah bon, on arrive bientôt à Giganticus. Ouais, donc y'a rien entre deux. Et le reste c'est toujours le premier. Ah, ah non, là, y'en a c'est, un les... c'est l'alcool là. Ah oui, là non, y'a un boss. Alors là y'a un boss. Bravo, non, 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 y'a pas de boss là. Si là y'a un boss. C'est les menteurs de goudron. Ah bah oui, bah voilà, bah j'avais raison quoi. Bah je sais plus, voilà. J'ai dit on arrive bientôt. Donc en gros, ici le but c'est de se mettre chacun sur un jet de goudron là qui sort de terre. Ça va faire popper un gros boss au milieu, faudra le DPS, après retourner. Et il y a un truc de feu là-bas. Le mec à qui tu parlais, il y a un truc de non, feu. Non, c'est de la merde. Okay. Non, 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 c'est de la ouais, merde. En plus, tu peux cramer tes alliés. T'enlever du truc noir là, comment ça s'appelle déjà? Ouais, mais y'a pas besoin. Je suis sur un G. Par contre, je suis sur un là, ça le fait pas là, c'est normal. Normal, c'est chacun sur un. Ouais, ouais, là y'en a un autre. Okay. Il n'y en a plus pour moi. Et Rio il est pas sur ça. Voilà. Voilà. Voilà, il y a le gros Mio. Et là, on dépasse le corps à quoi. Vous avez vu, je crache du feu. Ah oh, merci à Céry. Pour information, le feu nous touche aussi. Ouais ouais, ça crame les alliés, c'est pour ça. Ah, ça je peut normal non, si je veux pas mais... M'en fous, moi je vais abuser avec mon feu. Cramer. Ah oui, putain, j'avertis même plus quand je mets la sécurité, désolé. Bah d'un côté c'est bien qu'il shoot partout, comme ça si nous on se fait cramer, ça nous sort de... le goudron. Et c'est quoi le goudron? J'en ai pas. Si si, mais en fait le boss des fois c'est il va tirer dessus et ça va te... pour nous enlever du goudron là. Et le goudron en gros c'est le boss qui te le met et ça te... Okay. Ça c'est te... pour t'es nous dédurcir on va dire. J'explique qui met le goudron en fait, ici que ça dédurcit le... Aïe 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 aïe. Merci. Putain quoi. Donc dès que le boss rentrera dans son trou, on se remet sur les gars sur son truc et ça va refaire ça. En gros c'est un peu comme ses voies respiratoires, il peut plus respirer, il crève et tout. Il sort. C'est beau. Comment on l'a éjecté contre son trou quoi. Il est encore là, j'ai cru qu'il s'était enterré. Non, il est toujours là. Ah, oh, je suis allé sur le truc machin moi. Peut-être on l'a fait bulle, peut-être il veut plus. Non, non, il va retracer 50% de TPV. J'ai jamais emmené aussi loin pour moi. Non, on peut. Quoique, attention, suspense. Et il va rentrer. Ouais, putain, le pas beau quoi. Chacun sur son truc, vite. Je vais là-bas. Voilà, sorti. Ah, ah d'accord, c'est le truc de goudron. Ok. Mets-moi en feu, Rio, mets-moi en feu. Bah attends, je vais t'en chercher avec du whisky. T'as un whisky 300 ans d'âge, quand même, ça doit me cracher la gueule. Je vais être bien bourré après. Oh le mec! Aïe, aïe, aïe! Le truc marrant, c'est que soit qui fait son goudron, il s'est goudronné. Enfin, qui crame le goudron, il s'est goudronné, c'est qui l'enlève. Par contre, ça prend un gros sac à PV. Pourquoi ils ont pas mis de la lumière là pour le DPS? Ouais, ils auraient pu mettre de la lumière plus souvent. C'est sans bruit, la lumière, c'est, c'est vraiment marron, c'est dommage qu'il dorme un peu plus. Pourquoi sur Giganticus. Ah
Ah, je suis en feu. I'm on fire. Merci. Ah non, tu m'as pas craché dessus. Ah, c'est bon. Moi, je crache sur tout le monde, je vous aime pas. Oh, le mec, c'est... Ah, vas-y, crache. Oh, crache sur moi. Crache sur moi, ouais. Crache ton jus sur moi. Non, mais j'avoue que la célérité quand tu bois du whisky, c'est pas mal aussi, ça. Je te dégageais du feu à une de ces vitesses. Donc, bah, avoir les... sa vie, en 4 fois, on peut le tuer. On est pas full DPS non plus, mais... Ouais, hey, go sur votre. Non, ça c'est le mien, ça c'est le mien, ça c'est le mien. Le mec. C'est les chaises musicales. J'ai mis là-bas. 4. Ah, il y en a là-bas. Ah bah c'est bon. Go. Oh. Tu l'as déjà claqué, c'est un ton vieux joueur. Wrong. Ah, il est rechargé là. Ok, je vais mettre mon ulti. Vas-y. Check. Oh lol, il m'a rupt. Ah oui, c'est bon, il gagne tout, c'est la fin du monde, tout ça. Flash bon. Je vous donne regen grâce à mon fantasme qui est mort, j'ai rien vu. Aïe. Pour le prochain, je pourrais mettre mon top. Il recharge dans 20 secondes. Je vous donne regen si vous rapprochez mon fantasme, pas besoin. Bah moi je suis sur le boss hein. Et il est juste à côté du boss. Bon là là la regen. Oui, ouais, bah, c'est bon, en permanence, ça, c'est à côté large, de moi. Bah je mets aussi ma zone de lumière. Non, mais pas la regen d'eau, la regen de... De moi, de mon manusque, de mon, oh, mon fantasme, j'en mets un autre. Non, c'est Ray qui est en train de me... Oui mais il y en a une autre aussi. Bon, là, je sais pas, mais j'ai essayé de... Je sais pas si Regen ça peut se superposer. Si, mais toi t'as Regen passif, c'est pas la même. C'est une aptitude donc ça se cumule. Et je pose ma zone de lumière aussi à terre kill. Kali aussi la chaîne ronde. Oh, je suis à terre. Ok, nice, c'est bien. Mais il fallait au corps à corps contre ce boss hein. Bah, j'étais au corps à corps, mais il arrêtait pas de me pousser. Hors de son corps. Hors de son corps. Je vais dire une blague de Christophe. Go. Go go go. Par là. Casse-toi, toi, tu me cherches. 1, 2, 3, il est là l'autre. Go. Mets mon bouquin. Ah, mets-toi à distance parce qu'il Peut te cadrer. Je te casse la gueule. Je peux pas bouger là. Tiens, ah, ça trace. Ah là, j'ai mis les symboles qui soignent, mais normalement, je les passe en cri. Bah c'est juste pour tank, c'est pratique. Je sais pas si ça s'accumule ou deux. Si ça s'accumule. Je sais pas si on pourra le faire tomber. Si. Vas-y, mais tu es chiant. J'ai marre qu'il me fasse interruption là. Pareil. Qu'est-ce que ces bonbons là? Wesh. Ouais. Je suis trop vénère, c'est bon. Manger du bonnet, moi je trouve vénère. Attends, je suis trop ouf, toi. C'est pas qui je suis. T'es Bob. Je suis Bob la salade, wesh. Ouais. Et c'est la classe quand même. Oh, j'ai mis 3 fantasmes, vous allez où vous voulez, vous avez de la régène. Bon, y'en a un qui est en moi. Mais c'est pas grave, je remets un autre. Allons, fini. Puis là, je rigolais, retourne sous terre, t'sais. Ah, j'ai des. Ah, sac d'articles. Ouais, j'ai envie de crever. Ouais, moi aussi, j'ai envie de crever. Ouais, que du bleu. Bienvenue à Ara. Pareil. Oh yeah! Du vert. Attends, je suis plus que. Oh! C'est ça le whisky? C'est ça. Mais fais gaffe, ça crame les alliés. Hein. Je sais. Je m'en fous, tu peux me cramer, moi j'ai ma régène. Donc... Oh pareil. Mais non, mais c'est bon, mais. Nous on perd presque rien, tu sais. Y'a pas une vague d'ennemis.
C'est bizarre ça. Ouais, y'a pas beaucoup de chance. Ah, bah, là il va y avoir. Voilà. Bah non, c'est des skis. Mais ouais, c'est des skis. Ça... Oui, mais c'est ça qui est marrant. Ah, mais arrête de me cramer, c'est clair. Je sais pas qui. C'était bien moi. Ah, c'est le troll. Pour changer. C'est ça. J'ai l'impression qu'il y en a quand même. Y'a qu'une seule pute dans le groupe. Et ouais, le voleur comme par hasard. Et ce n'est pas Az. ouais, y'en a. Bah, il a énorme. Oh, y'a un argent. Ouais. Oh putain. Argent, argent. Ouais, j'ai droppé un verre dans tout le temps quoi. GG. Sinon, j'ai eu des os pour eux quoi. Des morceaux de ferraille. Des vêtements yeah. Chutés. Bon. Très rentable, bah, je crois. Ah bon, bah, c'est clair quoi. Spot de farm, c'est ici. Easy à rang en fait. Hein. Allez, moi, en fait, c'est vrai, hein. quand t'as l'armure et tout, en fait, Ara c'est pas trop compliqué. Bah, pardon, mais. Mais Duena, c'est simple. Enfin, je l'ai pas fait, mais je le. Enfin, je vais gagner. Tu l'as regardé, c'est tout. Je l'ai regardé, mais bon, c'est easy peasy. Vas-y, mais laisse-moi crever, Chris. Putain, le mec. Ah, c'est bon, j'ai vu. Vas-y, on le fait. Confusion direct. Confusion direct, là. Chaud patate pour mettre la confusion. Mais de toute façon, je viendrai en l'envoûteur, on est bientôt prêt. La semaine prochaine, je prévois Ara 4. Le mec. Hein. Vas-y, je vais aussi. Bah, je viendrai pour Ara 4. Bon, il y aura deux envoûteurs, vous allez voir, on va tout péter. Bah, après, du coup, j'aurai tout. Attends, je sais plus quel chemin j'ai fait. Le boss. Non, je sais même plus les boss qu'on a fait. J'ai grandi que s'il est en bas. Le 3, on l'a fait. Le 2, c'était lequel? C'est. Celui qu'on a fait en 1h30. Le 2, c'est quand tu transformes en fantôme là, à la fin. Quand tu passes le portail, il me semble que t'étais là. Bah sûrement, mais je m'en rappelle plus. Non, t'as fait le 2 et le 3, je m'en souviens. Ah ouais, bah... parce que je les ai fait avec toi, donc... Tu les as fait quoi? Bah là on va faire 1, puis après 4. Bah je les ai tous avec vous, c'est toujours la même équipe du début, quasiment. Non, je fais un acronyme, je crois. Quasi. C'est celle-là, là, c'est un... Ça ou... Tu te fais les quêtes en même temps, hein. Mais je fais un acronyme, c'est marrant. Remap des élémentalistes. Vas-y, prends toute la map. Bah si tu veux, en bas, y'a des champions. Ah bah non, moi je prends pas toute la map, je sais que je vais crever. Ah, Duena, c'est quel chemin? Le 4. Le 4? Ça, je suis sûr que tu l'as pas fait, t'étais pas là. Ah non, le 4, non, c'est Duena, j'ai jamais j'ai pas fait le 4, moi. Mais par contre, si tu viens. Ah, je te conseille de venir en ingé, ça serait cool. En plus de quoi, le 4? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il faut du DPS. Faut du max DPS, 4. Et max, donc, max. Hein. Ton élémentaliste, c'est pas qu'il y a DPS pas. À la limite, on peut venir. Tu peux venir avec un élémentaliste qu'à Duena. Mon élémentaliste, est plus résistante que mon ingé pour Giganticus. Avec mon ingé, j'ai testé plein de fois Giganticus, j'arrête pas de crever. Mais après, là, c'est pas tu commences en mêlée, puis tu re-roll en ingé pour... Bah, le truc, c'est que... Le truc, il faut qu'il y ait au moins une personne qui donc a l'expérience. Mais il faut qu'au moins le lead du groupe, enfin, qui a lancé le donjon, il re-roll. Moi? Bah, je prends mon envoûteur, c'est vrai. Moi, je re-roll pas. Ingénieur, il est pas en exotique, donc... Ouais, quoique, ouais, Ryo, il re-roll pas, donc c'est bon. Ouais, voilà. Bon, mon ingé est niveau 2, donc ça va être juste. De toute façon, on a deux envoûteurs, un gardien, moi je prends les lames pour support, et voilà. Non, sur la fin, il faut full DPS. Plus DPS, ah oui, full DPS. Mais c'est pas Andé qui disait, ouais, il faut deux envoûteurs, deux guerriers, oui. Deux guerriers et avec, un élémentaliste. Non, pour avoir test, les vraies combinaisons, c'est généralement, même sur la fin, c'est même un seul envoûteur et 4 DPS CAC. Hein. Moi j'ai vu des vidéos, il y a besoin de que dalle. J'ai vu un nécromant, un envoûteur et tout le faire, il y avait juste un guerrier. Mais la vidéo où j'ai vu les nécromants et tout, il était au CAC. Hein. Non, il était en forme de je sais pas beau, là, le grand, le pas beau. Là, ouais, il était en full puissance. Hein. Et voilà, quoi qu'il arrive, il faut te mettre en berserker ou équivalent. Quoi. Ouais, bah ça reste du DPS. Hein. Dès que t'es en berserker, c'est du DPS. Je veux dire, la plupart des gens qui jouent nécro, là, c'est tank. Alors moi, si je veux, je peux mettre en 7 berserker, il faudra juste que j'achète la rune avec mon envoûte. Fut de berserker, c'est puissance, précision, dégâts et critique. Ah, moi j'ai puissance, précision, dégâleté. Oh, mais ça marche aussi, c'est berserker. Ça marche aussi. Ah, okay. Un berserker où tu fais juste pas de dégâts sur critique, mais... Alors du coup, si on part sur une optique de full DPS comme ça en dégâts critiques, faudra penser à prendre de la bouffe qui soigne quand on fait un critique, parce qu'on va être franchement fragile et... Parce que moi, non mais tu prends un seul support pendant tout le long du donjon et l'avant-dernier boss, il reroll et il se met en DPS.
Bah moi je fais un peu de DPS avec mon EL même si je tape que dalle. Oui mais non, mais un peu ne suffit pas. Parce qu'il y a une partie, il y a l'avant-dernier boss pour te le dire, on l'a fait. Il faut que c'est chacun un à un. T'as 5 zones, chacun se met dans une zone. Et le boss il pop au fur et à mesure dans cette zone. Si tu l'as pas DPS assez vite, il recommence au départ et il a toute sa vie. Non, c'était pas à cause de ça, hein. C'était à cause du PNJ. Après il continuait aussi. Rappelle-toi, il faisait plus DPS en un certain temps. Non, c'était même pas ça. Quand t'as pas ça, faut jouer au cac. Non, rappelle-toi la fin. Quand il avait fait le tour des 5, si t'avais pas fini de tuer les mobs qui avaient pop une fois qu'il était parti, il recommençait aussi au début. Donc c'est pour ça qu'il faut être à DPS pour pouvoir les descendre assez vite. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais comment on l'a fait, bah moi je faisais le 2 et le 5 en même temps. Je faisais deux zones moi. Mais c'était pas à cause d'André qu'il y avait pas d'armes de corps à corps, elle a dû prendre un loss là. Non parce qu'après elle avait pas assez de DPS pour finir les... Ah bah voilà, c'est pour ça on les deux mobs. Après. Elle avait pas assez de DPS aussi pour descendre les mobs derrière. Il va venir. Et si quand tu descends les... Si t'as pas descendu tes mobs, quand ils reviennent dans ta zone, ils repopent au départ. Ouais, ah ouais, il y avait l'histoire aussi des deux mecs si qui popaient. Oui, c'est ça, voilà. En donc gros, quoi qu'il arrive, à partir de ce boss là, il faut que chacun soit, tout le monde soit DPS. Ouais, bah je suis pas full DPS avec mon gardien et je le faisais. Non mais easy, faut que tu tapes quoi. Ouais parce que moi je l'ai fait avec mon gardien sans être DPS et je le faisais tomber. Enfin après ça reste un corps à corps mais bon. Ouais et surtout tu pouvais taper en même temps les deux mobs à côté quoi. Ouais aussi. Parce que moi ce qui se passait, c'est, je te l'ai dit hein, je l'ai fait, j'allais dans la zone d'Andé. Je tapais le boss. J'ai pas mon mur là par contre. Quand il dépopait du truc d'Andé, j'en tuais un. Je mettais l'autre middle life, j'allais dans ma zone, je tuais le boss, je tuais les deux miens, je retournais chez Andé, je faisais la même chose. Donc tu peux imaginer comme j'ai couru quoi. Mais ils tapent fort les trucs qui sont dans les 5 là, je sais pas quoi. Ah oui. Bah, c'est parce que moi niveau résistant, je suis de la merde hein, sur mon ingé. Hein. Ah ouais mais si tu veux descendre distance il faut que tu les descendes vite hein. Au pire je peux prendre mon. Bah t'as du bon il en a j'ai aussi pour qu'ils prennent le garde du corps Ouais sauf qu'il fera au moins 3 circuits le mec hein. Donc il faut que tu tiennes 3 fois hein. Et 3 fois il fait un pop de 2 hein, quand il est là. Il y a encore 3 t'es gentil. Ah ça va être chaud, plus. 3 c'est si on l'a fait en 3 fois avec moi qui faisais 2 zones et vu que je suis full DPS. De toute façon le 4 c'est plus dur donc Là, Az, moi je vais être contre toi sur le fait de dire tu dis que t'es faible avec ton ingé, ben regarde-moi voleur, et pourtant je faisais deux fois ce boulot. Et en plus en ingé, je pense que t'as une bonne régène de vie en passif. Je sais pas, j'ai jamais testé le 4. Bah voilà, après si t'étais pas tous tes trucs de ta profession. Bah ouais, c'était full grenade, j'aime pas. Putain, t'ardais pas du aggro là. Ouais, moi je suis full grenade, moi. J'aime pas. Bah, c'était un bon DPS, ça va. Au pire, je prends ah mais les grenades ils les ont nerfés il y a pas longtemps, ils ont nerfé les grenades. Ouais ils font des dégâts en moins 30%. Bah voilà. Avec mon ingé. Il a changé 7. J'ai envie de changer pour lance-flamme. Genre mettre puissance, précision, dégâts critiques au lieu de. Avec le lance-flamme. Ouais. Ah mais jouer avec de la vita ou de la rebut parce que t'es au corps à corps avec le lance-flamme pratiquement. Ouais ou sinon. Parce que franchement j'aimais bien jouer à la grenade moi. Mais bon ils ont baissé de 25% le DPS quoi. Beaucoup 25%. Faut dire que ça faisait mal hein. Tu sais qu'ils ont aussi baissé le DPS des DAC du voleur hein, je m'en plains pas pour autant. Ouais c'était pire. Bah bon aussi je veux pas dire mais les grenades de l'ingénieur c'était aussi c'était aussi abusé tu vois donc les 25%. C'est pas la mort, les 25%, quoi. Bah, je sais pas si ça touche les dégâts altération. Je sais pas. Si ça touche bah, tous les dégâts d'altération sont basés sur ta caractéristique. Mais donc, non, ils l'ont pas nerfé, c'est les dégâts directs qu'ils ont dû nerfer. Bah, donc, moi, je vais garder dégâts altés alors.